Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy XI Seeker of Adulin. Encore une fois donc dans l'event Delve, cette vidéo suit d'ailleurs les deux vidéos que j'ai fait précédemment sur la nouvelle mise à jour qu'il y a eu sur cet event qui nous permet de le faire à beaucoup moins de joueurs que prévu puisqu'à la base c'était donc des combats prévus pour 18 joueurs et maintenant on peut les faire à 6 joueurs, alors dans le cas présent nous étions 8. Et je vais vous donner encore une fois les différents jobs. Alors nous avions deux bardes, deux monks, un samouraï, un magicien blanc, un summoner, ainsi que moi en scolar en tant que à la fois stun et aussi je fais un petit peu de DPS comme vous pouvez voir. Même si contre ce NM là c'était pas vraiment très utile puisque déjà donc mes magies ne font pas beaucoup de points de dégâts. Puis vous allez voir que par la suite on a rencontré un certain problème sur ce boss. Qui n'avait pas donc sur les deux autres boss et par rapport à ça il vaut peut-être mieux pas justement utiliser des magies de dégâts dessus. Donc c'est la bille hein, comme vous connaissez déjà. De toute façon je vous avais déjà fait une vidéo encore une fois dessus comme tous les autres boss de Delve. Donc si vous voulez avoir diverses infos sur la stratégie je vous conseille d'aller regarder cette vidéo là parce que je vais pas non plus tout répéter. La différence par rapport au combat à 18, c'est comme les deux autres NM, le fait d'être déjà seul en stun, d'avoir beaucoup moins de DPS. Encore une fois, le boss ne perd pas la puissance de ses attaques, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que la puissance de ses attaques seront toujours identiques, même s'il a beaucoup moins d'HP que la version à 18 joueurs, c'est vraiment principalement les HP qui sont diminués et pas la puissance de ses attaques. C'est pour ça que c'est très important de stun ses différentes habilités. Et donc là on arrive au souci, je crois, que nous avions eu sur ce boss. C'est que comme vous allez voir, il n'a plus envie de se tourner vers les mêlées. Et au contraire, il se tourne vers moi. Puisque en fait, le boss donc possède une habilité qui permet de reset sa hate. Alors il possède deux habilités qui lui permettent de reset justement son aggro et c'est pour ça qu'il faut absolument les stun. Alors malheureusement j'ai dû en louper une et c'est justement pour ça que le boss est sur moi. Parce que c'est vrai que le stun c'est quand même une magie qui donne beaucoup d'aggro. C'est quelque chose que aujourd'hui en tant que scolar on voit plus trop dans le sens où on fait que du stun. Mais c'est vrai qu'à l'époque déjà en magicien noir, donc à l'époque c'était le magicien noir qui était principalement un stun puisque le scolar n'existait même pas. C'est vrai que le stun ça donnait pas mal d'aggro et si on rajoutait en plus les gros nuques du magicien noir, c'est vrai que je me souviens avoir quand même pas mal pris l'aggro à cause de cette magie là. Et c'est pour ça que par exemple que le scolar c'est bien d'utiliser une magie que je viens d'utiliser justement qui va y rajouter, qui lui permet de réduire son enmity. C'est quelque chose que je pense même plus justement à utiliser parce que encore une fois jusqu'à présent je n'avais jamais eu de soucis en tant que stun. Mais comme vous pouvez le voir ici ça aurait pu être une habilité quand même plus utile, voire même utiliser sur les autres DPS justement l'autre magie du scolar qui permet d'augmenter l'enmity justement qu'on reçoit en faisant une attaque ou diverses actions sur le boss. Et c'est justement ce genre de magie là qui sont peut-être pas très utiles dans un run à 18 joueurs ou justement sur pas mal d'autres combats dans le jeu qui dans ce combat là deviennent justement très utiles. Et c'est peut-être ça qui rend l'event peut-être, je trouve, un petit peu plus intéressant qu'à 18, ou peut-être plus intéressant même que beaucoup d'autres events dans le jeu. C'est parce que je trouve qu'il y a vraiment, justement, vu qu'on est beaucoup moins et que, encore une fois, c'est, je vais me répéter, mais que chacune de nos actions a plus d'importance dans le combat, il y a beaucoup plus de stress par rapport au combat, il y a beaucoup plus de... il faut être beaucoup plus attentif à diverses choses. Et encore une fois, je vais revenir à ce que je disais dans la dernière vidéo du Shark. Je sais pas si vraiment on peut dire que ces combats, comparés à ceux à 18 joueurs, sont plus simples ou plus compliqués. Ça va vraiment dépendre en fait des joueurs. Et si vous pensez que vous pouvez faire certaines choses seul, que à 18 joueurs, vous le faites avec l'aide de certaines personnes et tout. À ce moment-là, je pense pas que vous aurez beaucoup plus de problèmes que de le faire à 18. Maintenant, c'est vrai qu'à 18, il y a toujours ce côté de si jamais on fait une erreur, voilà, par exemple, si jamais je manque un stun, il y a toujours peut-être l'autre scolar qui va le voir et qui va justement stun l'habilité. Il y aura toujours, par exemple, quelqu'un qui sera prêt
à comment dire, à justement pouvoir réparer certaines erreurs que malheureusement quand on est en groupe très réduit, bah, chaque erreur peut malheureusement être fatale. Et là comme vous pouvez le voir, bah, malheureusement je tanque le boss pendant pas mal de temps finalement. Je suis assez surpris d'ailleurs d'avoir été, d'avoir plutôt survécu aussi longtemps. C'est vrai que le boss en lui-même, je pense, ne tape pas vraiment très fort, du moins ses attaques de base. C'est surtout ses habilités ou le fait qu'il attaque justement surtout en AOE, comme vous pouvez le voir, qui fait beaucoup de points de dégâts. Et c'est justement pour ça que peut-être à ce niveau-là, au niveau du heal, c'est peut-être un petit peu plus simple justement à 6 joueurs qu'à 18, parce que bah, le fait qu'il y a beaucoup moins de personnes qui se font toucher, il y a beaucoup moins de heal à faire. Bon, malheureusement vous pouvez voir que c'est un petit peu dommage que je meure là justement parce que j'avais justement réussi à perdre l'aggro. Donc il aurait suffi que j'arrive à fuir un petit peu plus vite et j'aurais sûrement réussi à survivre. Mais voilà, bon, c'était la fin du combat, ça c'était un petit peu l'avantage, c'est qu'au final ça nous aura pas trop pénalisé sur ce combat là. Donc voilà, ben on approche, là le boss va mourir, donc j'espère écouter que vous avez apprécié donc ces 3 vidéos sur Delve. Moi ça m'a fait plaisir de pouvoir vous proposer du contenu de Final Fantasy 11, et n'hésitez pas bien sûr à me dire à chaque fois dans les commentaires si vous voulez plus de contenu sur le jeu ou quel type de contenu vous aimeriez voir justement sur le jeu, et j'essaierai de voir justement pour vous proposer ça. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser du moins à cliquer sur j'aime. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre la vidéo dans vos favoris. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos qui rentrent donc sur Final Fantasy 11 et sur Final Fantasy 14 si jamais ce jeu vous intéresse aussi. Voilà, bonne journée à tous et à la prochaine.